Bonjour et bienvenue sur Mille et une prises, l'émission consacrée aux métiers du cinéma et du spectacle. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un acteur d'une série phare, Ambroise Michel. Mais aussi producteur, scénariste, réalisateur, nous l'avons suivi toute une journée à Marseille pour son court-métrage « Guet-apens ». Ça te va ? Peut-être un peu plus serré, hein ? On se fait juste une répétition, s'il vous plaît. Remettez-vous en position de départ. Et... action ! Prête sur un cadre, vraiment. Serré sur un, qui est presque la nuque. Presque la nuque. Pour la serveuse. Un cadre de fin. Tu peux juste décroiser. Ah non, tu vois là le... Non, le pied, non, pas. Ah, tu es vraiment serré. Décroise. C'est juste pour que la valise soit. Je veux vraiment une vraie changement de mise au point. On est très serré, mais c'est sur des détails. Et ouverture et point sur l'ouverture ou ouais. D'abord là-dessus, action. Donc sur ce court-métrage qui s'appelle Guet-apens, tu es comédien, réalisateur. Quels sont tes autres rôles? Co-auteur et producteur. J'ai cru comprendre que c'était aussi un projet d'amitié. Je pense que c'est en fait le cas tout le temps en fait. Je ne veux pas faire ce métier sans ça. C'est-à-dire que j'ai besoin, il y a des énergies dans mes amis qui sont tous des professionnels hein, d'ailleurs, mais que donc je ne pourrais pas me passer sur un tournage. Quoi. Je ne le conçois pas, en tout cas en tant que réalisateur, je ne le conçois pas comme ça, autrement que comme ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de ces énergies-là autour de moi pour me canaliser, pour me donner de l'énergie, pour me donner juste de la joie aussi, d'être content aussi d'être là. Et c'est des médiateurs aussi vachement avec les autres techniciens que je peux moins connaître, etc. C'est vraiment une... C'est pas... Je suis pas seul responsable du produit, quoi. Du film. C'est vraiment l'esprit d'équipe, quoi. Et c'est le seul truc qui m'intéresse. Si je me retrouve tout seul sur un projet et le seul responsable de ça, ça m'intéresse pas. Mais de toute façon, il ne peut être bien que si tout le monde s'entend bien. C'est pas très difficile. C'est pas insurmontable, quoi. C'est cool. C'est une difficulté qu'on aime bien. On le valide et une fois qu'il est validé, c'est du premier plan. Hein. Vraiment, sachant qu'il faut bien expliquer à tout le monde que c'est du raccord. Ce qu'ils vont faire là, vous le faire précisément.